Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais hyper bien. Bon. Alors, on va regarder les nouvelles, ok? Les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. C'est bon. Alors. Bon, ça ne veut pas sauter, donc c'est pas bien grave. On va faire des coupes. Hein. J'en fais toujours deux ou trois, voilà, pour bien, vous voyez, brasser tout ça. Ok, bon. Alors, une. Deux. Et on va faire une troisième. Et on y va. Allez. Oups. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on me dit. Ce qu'on me transmet pour toi. Donc là, j'ai eu cette carte. Donc là, tu as la clé. C'est-à-dire que si tu es célibataire, alors attention, célibataire, c'est-à-dire que vraiment, ni des pensées pour quelqu'un, ni du passé, ni du présent, bon, eh bien, on annonce des rencontres. Ok, voilà. Des rencontres qui arrivent, tout simplement. ça peut marcher. Des deux côtés. C'est à condition de le vouloir. Ah ben ça, de vraiment le vouloir des deux côtés. Et j'ai cette vague impression qu'on me transmet que ben, c'est comme si d'un côté, pas de problème. Mais toi, tu vas te chercher des trucs à acier qui feront que. Ah, mais si. Ah, mais si. Alors, soit. En plus, ça donne une impression que tout va se matcher. Alors, où est le problème? C'est quoi? Mais si, c'est quoi? Tout crème. Bon. Alors, c'est quoi? Quelqu'un dans les pensées? Faut savoir ce qu'on veut, hein. On n'a rien sans rien. Donc, ça va. Ah, parfait. Mais, je pense que on aura quelqu'un dans la tête encore du passé. Alors, dans la vie, faut savoir ce qu'on veut. Non, parce que si, concernant la personne du passé, ça peut arriver jamais. Ça peut arriver dans 2 ans. Ça peut arriver dans 5 ans. Alors, vous allez faire quoi? À vous de voir, hein. Non, parce que des fois, hein, dans la vie, hein, à vous de voir. À vous de voir. Ce vraiment. Écoutez. Mais après, c'est rare que. On n'ait pas quelqu'un dans les pensées. C'est rare. Alors, ceux vraiment qui ont vraiment enterré le passé affectif, peu importe les. Parce qu'il y a tellement de cas. Ah, puis ouais, je pourrais vous en parler de tellement de cas. Donc, ça, on va zapper parce que sinon, la vidéo. Oh putain, j'ai pu m'arrêter. Mais vraiment, pour les hommes et les femmes qui ont enterré le passé, que ça soit des trucs sur les réseaux, que ça soit des mecs ou des nanas qui se sont rencontrés, qui se sont fréquentés, mais sans vivre avec, que ça soit ceux qui ont été mariés, qui. Oh là là! Bref, je pourrais vous en parler des heures. Bon. Mais ceux vraiment qui ont enterré tout, ça va, hein? Ah ben, vous. Ah ben. Cela. Allez, en avant, c'est parti. Ah, bien sûr, je ne vous dis pas que le premier jour que vous allez vous rencontrer, demain, le lendemain, vous vivez ensemble. Hein? Non. Il y a plein de choses qui vont se passer. Ça aussi, on le zappe, sinon j'en ai pour 20 ans.
Bon, mais ça va se matcher. Ah, mais si. Vraiment, le couple là, qui se construit, évolutif, la vie commune et tout, si on le veut les deux côtés. On le voudra des deux côtés. Donc, je zappe des épisodes. D'autres, oh putain, vont chercher des trucs pour retarder. Ah ben, après, là, ça, malheureusement, c'est vous. Hein. Mais ça, donc, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. D'autres vont chercher midi à 14h pour tout retarder. Et c'est que forcément, vous pensez à quelqu'un. Peu importe les schématiques. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez dans votre vie. Ah ben écoutez, hein. Des fois, on ne peut pas avoir le soleil hein, au niveau d'un homme ou d'une femme. Donc, écoutez, hein. Mais j'en vois. D'autres sont vraiment passés à autre chose. Donc, tu ne vas pas avoir de problème. Mais pour certains, vous allez vous chercher des excuses. C'est concernant la nouvelle rencontre qui va arriver. Donc, à vous de voir ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Ah, ben écoutez, des fois, on ne peut pas tout avoir. Hein. Des fois, malheureusement, il y a des mecs qui voudraient telle nana. Ah, ben, je sais pas demain la veille. Et des nanas qui voudraient être avec tel mec, mais c'est pas demain la veille. Alors, à vous de voir ben, ce que vous allez faire dans votre futur. Hein. D'autres, il n'y aura pas de problème. Ça va super. Ah, ben si, puisqu'il y en a qui n'ont plus personne dans la tête. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Parce que j'ai les deux cas. Donc, à vous de voir. Hein. Si vous voulez attendre tel mec, telle nana, qui, de son côté, n'a pas le champ libre. Donc, à vous de voir. D'autres, ils n'ont plus personne en tête. Donc, ça va bien marcher. À vous de voir ce que vous voulez. Parfois, malheureusement, il faut se résigner. Après, s'il n'y a pas... Après, il y en a qui vont dire l'amour, ça fait pas tout. Mais bon, si vous n'êtes pas... Enfin, pour ceux qui ont quelqu'un hein, voilà, dans le cœur, si vous n'êtes pas amoureux de l'homme ou de la femme, c'est pas la peine, effectivement. Mais bon, vous allez... Voilà. Alors, si vous me demandez, ouais, c'est pas pour certains, il y en a, c'est le grand amour qui arrive, machin, parce qu'ils n'ont plus personne dans le cœur, machin. D'autres, il y a quelqu'un encore, quand ça va arriver. Et que ça va faire blocage. Et que s'il n'y avait pas eu ces hommes ou ces femmes que vous avez encore dans le cœur, ça peut marcher super. Mais des fois, il faut le vouloir aussi. C'est-à-dire essayer de donner une chance à des hommes ou des femmes. Mais c'est pas facile parce que si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un dans le cœur et c'est compliqué. Alors, vous allez me dire que faire. Ben, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est soit vous donner, pour ceux qui sont comme ça, une chance à ces hommes ou ces femmes de prouver qu'ils peuvent vous, enfin, essayer de vous, ben, que comment vous dire, essayer ben, de tomber amoureux, parce que c'est la base. Une relation sans amour, c'est compliqué, même s'il y en a, si, mais c'est plus compliqué. Après, c'est pas facile. Parce que c'est vrai que si on a quelqu'un dans le cœur, c'est compliqué. D'ouvrir son cœur en aimant déjà quelqu'un. Donc là, c'est problématique. Hein, parce que ben, y en a, ça va arriver. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit pour ceux qui sont dans cette vibe, soit ben, vous fermez toutes les portes à tous les hommes et toutes les femmes qui se présenteront à vous. Et vous attendez l'homme ou la femme que vous aimez. Mais un problème, c'est que les hommes ou les femmes que vous aimez, c'est difficile à vous dire quand est-ce que eux-mêmes vont prendre la décision
de venir à vous. Alors, il y a plusieurs types. Il y en a, ils sont célibataires, mais d'autres pas. Mais dans les deux cas, c'est eux qui ont les cartes en main. Et que tant que ces hommes, qu'ils soient célibataires ou pas, tant que eux ne prendront pas de décision, rien n'avancera, que ce soit des mecs célibataires ou pas, à qui, où il y a l'amour. Du coup, pour ceux et celles qui sont dans cette schématique, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter à vous, naturellement, vous fermez les portes à tous les hommes et toutes les femmes qui pourraient vous aimer et avec qui ça pourrait marcher. C'est compliqué. Ça, si on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Donc, voilà. Alors, c'est compliqué, hein. Parce que au niveau, écoutez, j'en vois. Je vois des hommes qui sont célibataires, mais eux ont vraiment du mal avec ce truc de suivi, de sérieux. Que vous viviez ensemble ou pas en plus. Alors imaginez-vous. Donc c'est compliqué. Et pour les hommes et les femmes qui vous font quelque part subir ça, c'est vous en fait qui les autorisez à vous faire vivre ça. Ah ben écoutez, vous n'êtes pas obligé d'attendre tel mec ou telle nana. Donc c'est vous. Ah ben vous avez quand même une part de responsabilité là-dedans. Même si eux aussi ont leur part de responsabilité. C'est 50-50. Donc là, ah ben écoutez. Et alors, si c'est les mecs qui font ça, qu'ils soient célibataires ou pas, eux ne font rien pour vous faciliter la tâche. Non, parce qu'ils sont toujours là. Certains. Et certaines. Et que si ils ne vous aiment pas assez, qu'ils soient célibataires ou pas célibataires, les nanas, en général, vous avez plus de mal à couper les ponts. Donc, c'est à eux à le faire. Si ils estiment que, qu'ils soient célibataires ou pas célibataires, s'il n'y aura rien de constructif dans l'avenir. Donc, voilà. Mais, problème, c'est que du côté des gars, ils ne le font pas non plus. Alors, qui va le faire? Ça va pas, en fait. C'est-à-dire que eux ne coupent pas les ponts et vous non plus. Bon, alors on fait quoi? Et que ça peut durer longtemps. Très longtemps. Et que je vois des nénettes qui voudraient tout de ces mecs. Après, il peut y avoir des inversions. Mais c'est pas vous qui avez les clés. C'est de l'autre côté. Donc on fait quoi? C'est problématique, hein. Parce que eux, ils savent rien. Ils savent pas s'ils veulent vous fréquenter comme ça, sans vivre avec. Ils ne savent pas s'ils veulent vivre avec vous. Ils savent rien. Donc quand même, au bout d'un moment, ils devraient savoir, non? Mais déjà, la question à se poser, des mecs ou des nanas qui sont là-dedans, est-ce qu'ils vous aiment? Non, parce que faut se demander. Est-ce que ces mecs ou ces nanas qui font ça, est-ce qu'ils vous aiment réellement? Ça serait une bonne question qui se pose la question déjà eux-mêmes. Est-ce qu'ils vous aiment? Est-ce qu'ils n'ont pas de manque? Est-ce qu'ils ont envie de vous voir? Est-ce qu'ils ont envie de vous parler? Est-ce qu'ils ont... Non, parce que ça serait intéressant quand même que ça soit des mecs ou des nanas qui font ça à d'autres, qui se posent les bonnes questions. Hein. Non, parce que... bon. Ils veulent rien. Ils veulent pas de vie commune. Ils veulent pas vous voir. Ils veulent rien. Ils veulent pas que vous vous rapprochiez d'eux. Non. Ils veulent pas
ils ne veulent pas, ils veulent rien en fait. C'est-à-dire que ils disent soi-disant ils vous aiment, mais ils ne veulent rien. C'est-à-dire que vous viviez près de chez eux ou à 500 km, ils veulent rien. Donc, pour se demander, se poser la question si ces mecs ou ces nanas vous aiment. Hein. Ils veulent rien. Aucune, rien. Rien, ben, vous et ces mecs. Ou, ni, ah, vous avez le cas des mecs qui ne veulent rien faire avec vous, et vous pouvez avoir le cas des nénettes qui veulent rien faire avec ces mecs. Ni sans vivre ensemble, ni en vivre ensemble. Ah, ils veulent quoi? Ils veulent quoi de vous? Ces hommes et ces femmes, ils vous veulent quoi? Ben, faut se demander, hein. Ah. Et soi-disant, ils vous aiment. Ah ben, j'ai un doute, hein. Non, parce que... excusez-moi. Quand on est amoureux, dans la réprocité, ah ben, on veut tout, hein. Ah ben, écoutez, quand deux êtres sont amoureux l'un de l'autre, que ça soit un homme d'une femme, ouais, un homme, quand un homme est amoureux d'une femme et qu'une femme est amoureuse d'un homme, ils veulent tout de l'un de l'autre, hein. Mais idem pour deux hommes, idem pour deux femmes. Non, mais je vous le dis. Et attendez, et quand c'est comme ça, ben ça va pas. C'est qu'il y a un problème à la maison. Allez, princesse, dépêche-toi. C'est qu'il y a un problème d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça va pas. Mais non. Mais vous plaisantez. Moi, et là, il y a ça, il le vit. Il y en a, il n'y aura pas de problème. Donc ça va pas. Mais non. Ah, écoutez. On me fait passer les messages. Quand un homme et une femme, quand un homme et une femme sont vraiment amoureux de l'autre, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Hein. Ah, oui, oui. Ah, là, là. Donc, et chez les gays, c'est pareil. Et quand il y en a un des deux qui veut rien, c'est qu'il y a un problème, hein, chez un ou chez l'autre, vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Hein. Ah, mais cherchez pas plus loin. Alors, c'est quoi le problème? Écoutez, alors, soit vous avez plusieurs possibilités. Soit, ben, ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre. Ah, écoutez, écoutez, faut pas chercher à midi à 14h, on me dit. Soit, ben, ils ne vous aiment plus. Ah, non. Et ils ont personne, mais ils cherchent quelqu'un d'autre. Dans d'autres cas, ah ben, ils ont rencontré quelqu'un d'autre et ils sont tombés amoureux. C'est pas normal. Ah ben non. Non, parce qu'à un moment donné, par exemple, dans certains cas, tout allait bien dans le meilleur du monde. Mais vous ne viviez pas ensemble. Ouais. Vous étiez le soleil de l'un et de l'autre. Ok. Et puis, où brutalement ou petit à petit, ça n'a plus été du tout le même son de cloche. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et à un moment donné, il y en a un des deux qui a changé de discours avec l'autre. Alors, c'est quoi? Ben, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit on ne t'aime plus. Mais bon, faut savoir ce qu'on... Faut... Ah ben, oui, non, parce qu'il y a des girouettes. Hein. Un coup, il vous aime, un coup, il vous aime plus. Un coup, il vous aime, un coup, il vous aime plus. Ah, mais si. Ok. Mais il y a quelqu'un d'autre, de toutes les façons. Mais, dans la... mais le problème, quand on dit « je t'aime » à un être humain, il faut être sûr. Hein. Ah, ben, écoutez, on ne dit pas « je t'aime » à... si on n'est pas sûr. Mais il y en a que, ouais. Ah, mais si. Il y a des... autant des hommes que des femmes qui vont vous lâcher le je t'aime, c'est à croire que c'est devenu quotidien, quoi. Par contre, dans l'inversité, il y a des hommes et des femmes, quand ils vous disent je t'aime, c'est que ils sont sûrs d'eux. Ouais.
quand il vous parle, peu importe combien de fois dans la semaine, c'est qu'il vous aime plus que tout. Voilà. Quand il vous rencontre, peu importe, si vous faites que vous habitez dans la même ville ou pas, qu'il n'y en a qu'un qui vient, qui se tape, ouais, c'est que l'autre vous aime plus que tout. Et que on ne change pas de discours. Hein. Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que vous ne savez pas, ben en fait, vous n'aimez pas réellement les gens, vous. Et c'est pas moi qui le dis, hein, non, on me transmet. C'est moi, c'est pas moi qui le dis. Donc, vous savez, hein, quand un homme et une femme, ou même des gays, allez, on dit je t'aime. Si tu n'es pas sûr de l'aimer, pourquoi vous dites je t'aime? Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de dire je t'aime moi aussi. Non. Non. Dans les rencontres, ouais, elle est vraie. Pourquoi vous rencontrez des gens si vous ne les aimez pas? Pourquoi? Peu importe qui se déplace, si c'est que, si c'est les deux qui se rejoignent, peu importe. Ah, mais c'est grave quand même. Hein. C'est une maladie. Hein. Ah, ben écoutez, si, c'est grave. C'est très, très grave. Ah, mais si. C'est très, très grave. Et là-haut, ils aiment. Ah non, ils aiment pas les hommes, les femmes comme ça. Hein. Mais non. Qui vous disent je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et ils discutent. Et ils se rencontrent. Peu importe s'ils consomment l'intimité ou pas. Alors putain, alors si en plus ils consomment l'intimité. Et que après, les mecs ou les nanas ne sont plus du tout les mêmes. Une fois que vous rentrez séparément chacun chez vous. Ah putain. Ah ben là-haut, ils aiment pas ça. Hein. Ah, mais non, et c'est pas moi qui le dis. Ah, mais écoutez, si on n'est pas sûr d'aimer quelqu'un, on le dit pas. Si on n'est pas sûr d'aimer quelqu'un, on ne le rencontre pas. Mais c'est quoi ce délire? Après, le problème, c'est que maintenant vous allez trop vite. Ah, pour tout. Vous remarquez, hein? Il y en a, ils attendent 6 mois pour se rencontrer, voire 1 an, et ils font la même chose. Mais c'est. Il y en a, oh, ça peut partir de 1 jour à 1 année. Ah, mais c'est les mêmes disquettes. Mais c'est tout le temps. Souvent. Ah, mais c'est. Ça varie, les vraies rencontres, entre 1 jour à 1 an. Les je t'aime aussi. Les rencontres aussi. Coucher ou pas coucher aussi. Mais c'est déplorable en fait, on me dit de là-haut. Ah mais c'est pas moi qui le dis. Mais si. Parce que après ils changent de discours les gens. C'est plus du tout la même chose. Donc il y a un grave problème. Mais si. Pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi vous leur dites que vous les aimez, mais en réalité, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites? Pourquoi? Quand on dit je t'aime à un être humain, il faut être sûr à 100% de l'aimer. Peu importe quand c'est que vous le dites. Quand vous les rencontrez les yeux dans les yeux, surtout quand il y a de l'intimité. Oh, mais c'est grave, hein? Mais si. Et si, c'est grave. Parce que ensuite, vous n'êtes plus du tout les mêmes après. Donc, c'est qu'il y a un problème, non? Peu importe. Mais, vous savez, ça veut rien dire. Ah, ben si, ça veut rien dire. Parce qu'il y en a, c'est entre 1 jour à 1 an qui se disent je t'aime. Mais bizarrement, tout change après, souvent. Les rencontres, en vrai, qu'ils se rencontrent entre 1 jour à 1 an, eh ben, ils changent, c'est plus les mêmes. Donc, c'est que... Ben, il y a un problème, non? Ouais, et ensuite, ben, ils essayent de se débarrasser de vous. Ah, mais c'est, coûte que coûte. Comment? En changeant complètement. Et que tout homme ou femme qui fait ça,
Ben, en général, ben, ils sont punis. Mais il y en a, ils le font exprès. C'est. Mais si. Pour que ça soit vous qui les quittiez. C'est. Mais si, il y a des bâtards. Des nanas et des mecs. C'est. Ils le font exprès. C'est-à-dire qui leur présence. Oui! Leur présence, petit à petit, beaucoup moins là. Mais si. Moins attentionné. Moins sympa. Moins gentil. Eh bien, en fait, tout ce qui vous a donné envie de leur dire je t'aime. Tout ce qui vous a donné vraiment envie de prendre la décision de leur dire je t'aime. De les rencontrer. Et que vous donniez à nu dans l'intimité. C'est, ah mais si, il y a autant de mecs que de nanas qui font ça. Mais c'est dégueulasse parce que, en fait, si on regarde bien, vous changez de comportement avec des hommes et des femmes qui vous aiment. Tout ça parce que vous voulez vous en débarrasser. Et qui vous disent, vous, eux, tout est fini. Donc vous êtes des bâtards. Les mecs, écoutez, l'univers me dit que tous les mecs et toutes les nanas qui font subir ça à des êtres humains, vous êtes des bâtards. Que ce soit des nanas ou des mecs. Et il y en a plein qui le font. Donc, en réalité, ben, vous jouez avec eux. Donc, tout ce que vous leur dites, les je t'aime, tu vas bien, t'as passé une bonne journée. Blablabla, blablabla, avant les rencontres, vous les prenez pour des cons. Donc, vous leur voulez quoi? Ben, vous voulez juste coucher avec eux, en fait. Et une fois que vous avez couché avec eux, vous changez totalement. Et je vous le dis. Et vous savez qu'en plus, bizarrement, les mecs et les nanas qui font ça à des êtres humains, ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils vous font et de comment ils vous traitent. Ah non, mais c'est des déchets, cela. Alors, vous avez deux cas. Ceux qui vous bloquent carrément. Puis, ah, si. Carrément. Pour les moins, comment on les appelle? Pour les hommes et les femmes qui vraiment n'assument rien du tout. Donc voilà. Mais après, vous avez ceux qui ont l'autre technique. C'est qu'ils vont attendre que vous leur posiez les bonnes questions. Et ils veulent en vérité que ça soit vous qui coupez les ponts avec eux. Donc il y a autant AVC de mecs et de nanas qui utilisent des êtres humains du lundi au dimanche. Hein. Mais c'est pour se soulager sur eux quand il y a de l'intimité. Ils vous m'écœurez. Un mois, ils m'écœurent, ces gens-là. Mais c'est grave. Hein. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah non. Non, me transmet. Moi, j'analyse pas les cartes. Non, non, non. Et à tous ces jugeurs-là, en France ou autre, qui disent, ah, arrêtez de juger les êtres humains. Mais moi, je ne juge pas. Ce n'est pas mon rôle, moi, Sylvia, à juger des êtres humains en amour, hein, qui se servent d'autres femmes ou hommes. Hein. Non, me transmet. Vous croyez que j'ai le temps d'analyser, mais pensez-vous, moi, je n'analyse pas. D'ailleurs, je n'ai jamais appris un oracle de ma vie. Mais non, non. Je n'ai jamais ouvert de ma vie. Mais non. Aucun oracle depuis moi. Alors attendez que je récapitule. Avant, oui, quand je suis revenu en 2018 sur Facebook, j'avais, allez, grand maximum, déjà 10 ans d'expérience. Ah, que c'est. J'avais déjà quelques années de pratique. Hein. Je préfère. Oh, si. Mais ensuite, quand je suis revenu sur Facebook,
Je me suis mis auto-entrepreneur. Hein. Si, parce que même si j'avais allé entre, je sais pas, 8 ans à 10 ans d'expérience derrière, ben, j'ai estimé que je ne pouvais pas me mettre auto-entrepreneur sans avoir un minimum de retour. Hein. Ah ben, c'était très important pour moi. Mais si, autant pour moi que pour les autres. Je le précise. Donc, à tous ces jugeurs, en France surtout, qui disent « Ah, je juge pas moi. » Non, c'est pas mon rôle. Moi, je transmets. Parce que, n'en déplaise à certains ou à certaines, de base, je suis médium. Hein. Mais c'est sans support. Mais moi, c'est beaucoup plus expéditif. Ah ben, je vais pas te faire tout le scénar de ta vie, hein, si tu me poses une question. Non, ça sera beaucoup moins long. Et étant donné que ces juges-là, qui viennent te poser des questions, ah putain, si vous saviez tout ce qu'il faut dire à ces gens, bon, du coup, j'ai un support, c'est tout. Mais moi, je n'analyse pas. Non, je n'analyse pas. Non. Oh punaise, vous croyez que quoi? Mais non. C'est-à-dire que pi bam bam, j'ouvre mes cartes et bim bam bam. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est très grave de juger des humains. Mais bon, hein, vous, il y en a qui se sont permis de me juger à moi. Hein. Mais moi, je ne juge pas à moi. Mais non, ce n'est pas à moi, Sylvia, à juger tout homme ou femme. Que ça soit ces mecs et ces nanas qui profitent d'autres en amour. Hein. Ah, et puis dans d'autres métiers. Dans des métiers aussi. Ces mecs et ces nanas qui jugent les autres. Hein? Sur leur professionnalisme. Ah, lui il est bien, lui il est pas bien. Mais qui êtes-vous, vous, peuple de France? Que ça soit des mecs ou des nanas qui sont dans la même branche que moi ou dans d'autres domaines pour juger les autres. Pourtant, tous les jours, vous le faites, non? Mais à visage caché. Mais bien sûr. Quelle honte. Moi, je juge personne. C'est pas à moi. Mais quand je donne des messages, c'est pas moi qui les donne. Mais non. Je suis un transmetteur, c'est tout. Eh bien, je suis désolé. Il y a combien de mecs et de nanas en amour qui font ça tous les jours? Oh, que c'est. Mais si c'était que dans ce domaine, hein, combien il y a de mecs et de nanas qui jugent des mecs et des nanas dans des entreprises? Qui vous êtes, vous? Pour juger des mecs ou des nanas dans les entreprises, hein? S'ils travaillent bien ou s'ils travaillent bien ou pas bien. Qui êtes-vous? Ben, vous êtes rien, en fait. Vous êtes tout petit, tout comme moi. Hein? Qui êtes-vous aussi dans des sociétés pour dire à des mecs, ah, ne parle plus à ces nanas et ne parle plus à ces mecs. Mais vous êtes qui, vous, pour donner des ordres à des gens? Qui êtes-vous? Rien du tout. Pourtant, tous les jours, vous le faites. D'ailleurs, des tas de mecs et de nanas dans des sociétés ne comprennent pas. Mais, hein, allez, en indépendant, vous faites la même chose. Vous dites à des mecs et des nanas, ne parle plus à des travailleurs indépendants. Ah, pareil, mais vous êtes qui, vous, pour donner des ordres? Hein? Que ça soit des mecs et des nanas qui travaillent dans le même domaine, ou de l'autre côté, on se doute bien qu'il y a la clientèle, les patients, les consultants. Qui êtes-vous, vous? Rien. Pourtant, tous les jours, vous le faites. Et à moi, vous venez me dire que moi, je juge personne. Moi, je transmets des messages, c'est tout. Donc, si ça vous plaît, ça vous plaît. Ben, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Vous n'avez qu'à pas écouter. Ah, ben ça, c'est grave quand même, hein. Ce jugement constant en France. Vous jugez, vous parlez de tout le monde. Vous cassez tout le monde. Vous salissez tout le monde. Vous parlez de tout le monde. Vous n'avez pas marre un peu? Vous n'avez pas des choses plus importantes à faire dans vos vies? Hein? Quelle honte. Mais c'est grave en fait. Hein? Attention à vous. Hein. Alors, c'est pas moi, hein, qui dis attention. Hein. C'est là-haut. Ils vous disent arrêtez
de juger les gens. Arrêtez de vous mêler de la vie des autres. Occupez-vous de vos fesses, s'ils vous disent. Que ça soit des mecs, écoutez, que ça soit des mecs en amour, que ça soit des nanas en amour, mêlez-vous de vos vies. Et ne vous mêlez pas de la vie de vos prochains. Quant au domaine pro, eh ben c'est pareil. Ils vous disent quoi ? Occupez-vous de vous, là. Des nanas qui jugent les autres dans des sociétés. Les mecs aussi, attention, faut se méfier. Les mecs dans les sociétés, occupez-vous de vos lives. Et arrêtez de critiquer tout le monde. Et les nanas aussi dans les sociétés. Et vous verrez que tout ira mieux, ils vous disent ça. Et c'est pas moi qui le dis. Quelle honte. Et pour les travailleurs indépendants, eh ben c'est pareil. Occupez-vous de vous. Ne vous occupez pas de combien gagne la voisine. Ou combien ils ont de clients. Ou de clientes. Et c'est valable pour des mecs et des nanas. Hein. Occupez-vous de vos vies. Hein. Au lieu de... Ils vous le disent là-haut. Hein. C'est pas moi. Sérieux. Mais c'est quoi ces humains en France? C'est le pays le pire. Ils ne peuvent pas... Écoutez... Alors, il faut qu'il parle de certains mecs en amour, de certaines nanas en amour. Mais c'est pas fini. Il faut qu'il parle de du mec qui travaille à tel endroit, de la nana qui travaille à tel... Mais vous avez rien d'autre à faire, en fait, de vos journées. C'est grave, hein. Il parle de tout le monde, il critique tout le monde. Eh ben, moi, j'ai pas le temps. Ah non, franchement, j'ai pas le temps, hein. Ah non. Ah ben non, moi j'ai pas le temps. Hein. Moi je m'occupe de ma vie à moi. Hein. Mais si. Je m'occupe de mes consultations à moi. De mes vidéos à moi. De mes jeux à moi. Mais pas de la vie des autres. Hein. Pourtant, il y en a plein qui le font. Il y a un grave problème de société. Hein. Mais je sais pas, moi. Et t'as vu, lui, t'as vu, elle, où elle habite, lui, et lui, t'as... Mon Dieu, que c'est grave. Mais c'est très grave, ce que vous faites. Vous parlez de tout le monde. Vous critiquez tout le monde. Non. Moi, franchement, je n'ai jamais... Non, 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 jamais critiqué. Non, c'est pas vrai. Pas autant que certains, en tout cas. Oh là là. Mon Dieu, que c'est grave. Moi, je... Non. D'ailleurs, par exemple, dans... Au niveau... par exemple, c'est... Ah, mais c'est facilement. Moi, par exemple, dans mon domaine, moi, dans des vidéos, je n'ai jamais critiqué quelqu'un. Jamais. Je n'ai fait jamais, non, ni ouvertement, ni insinueusement. Jamais. Je n'ai jamais, sur aucune vidéo, dit « Ah, regarde elle, ah, regarde lui, et elle, mon Dieu !» Ah, moi, je sais pas. Ou à refaire des mecs et des nanas, mais si. Leur accent, comment ils se fringuent. Mais vous avez, sérieusement, vous avez que ça à faire. Mais c'est pas moi qui le dis. On me transmet. Hein? Ou des insinuations douteuses sur des collègues de travail dans des sociétés. Oh mec, dans les indépendants, c'est un scandale. C'est scandaleux. Mais c'est vraiment, c'est, je sais pas, c'est-à-dire que tout homme ou femme dans les sociétés, occupez-vous de vos vies. Dans les indépendants, occupez-vous de vos vies. Et pas de la vie des autres. Et vous verrez, tout ira... Ah ben, si, là. Mais je me demande si ces hommes et ces femmes en sont capables. C'est-à-dire, je sais pas. Ah, mais si. Je me demande si ils sont capables, par exemple, le matin, peu importe s'ils sont célibataires, femme par femme, s'ils sont capables, ne serait-ce qu'une journée... De pas critiquer les autres.
Ah, mais là-haut, il se pose la question. Si vous pouvez être capable, par exemple, de pas parler pendant une serait-ce qu'une journée d'autres mecs et d'autres nanas qui travaillent avec vous, ou même d'autres gens qui ne travaillent pas avec vous. Ils se demandent. C'est... Et pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Ils se posent vraiment la question là-haut. Si ne serait-ce qu'une journée, vous êtes capable de pas critiquer des mecs ou des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous ou pas. Ils se posent vraiment la question. Alors ils le savent que même une journée vous y arrivez pas. Alors ils vont pas vous demander d'essayer de le faire un mois, hein, ou 6 mois ou 1 an, hein, vous y arrivez pas. Donc ils pensent que c'est très grave là-haut. C'est de toujours critiquer, que ça soit ses collègues de travail, hommes, femmes, mais si ils parlent même. Ils critiquent des mecs et des nanas de leur propre famille, au travail, machin. Mais pas que. Mais c'est un scandale. Mais pour les mecs et les nanas qui travaillent seuls à leur compte. Mais c'est pareil. Mais si. Et que les mecs et les nanas, par exemple, qui travaillent dans le même domaine que vous, ils font la même chose. Mais si. Ils critiquent tout le monde. Mais si. Mais vous, vous ne le savez pas. Alors là-haut, l'univers se pose la question. Est-ce que pendant au moins une journée, vous pouvez y arriver? Ils pensent que non. Que vous en êtes incapable. Alors, ils ne vont pas vous le demander d'arriver 6 mois ou 1 an. Hein, puisque vous ne tenez même pas une journée en critiquant des collègues de travail. Hommes, femmes. Et chez les indépendants, c'est la même chose. C'est grave. Mais c'est pas moi qui le dis. On me le dit. On me le transmet. Donc, je vous transmets. C'est déplorable. Déplorables ces mecs et ces nanas. Et ils font des problèmes partout. Mais si. Mais si. Mais si. Puisqu'ils vous critiquent. Mais si. Quand vous n'êtes pas là. Avec d'autres collègues à vous, hommes, femmes au travail. Mais pour les indépendants, c'est pareil. Et. Mais si. Mais si. Et ils parlent mal de vous dans votre dos. Et ils vous critiquent. C'est un scandale. Alors, ne vous étonnez pas si, par exemple, dans des sociétés, des mecs ou des nanas essayent de vous feinter ou de moins vous parler. C'est à cause d'autres mecs et des nanas qui travaillent avec vous et qui parlent mal de vous dans votre dos. Mais pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Des mecs, des nanas, si, qui font le même boulot que vous. Que d'ailleurs, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens vous fuient. Que ça soit des mecs ou des nanas qui sont dans le même domaine que vous, ou de la clientèle, des patients ou des consultants. Et ils vous critiquent. Et tout le temps, ils ont toujours quelque chose à dire. Alors, la bonne question là-haut, ils aimeraient savoir, mais clairement, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Que ça soit des mecs dans des entreprises ou les indépendants, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ben, pas grand-chose, en fait. Mais non. Rien. Mais vous avez toujours une petite remarque à faire sur des mecs et des nanas qui travaillent avec vous. Ou même vos collègues de travail en indépendant, quand on travaille à son compte. Et eux, franchement, ils sont très déçus. C'est de voir comment vous les critiquez derrière leur dos. C'est déplorable. Alors, ce qu'ils aimeraient, ben, déjà, au moins, essayez une journée de ne pas parler des gens. Hein. Que ça soit de vos collègues dans les entreprises ou vos collègues quand ils travaillent dans le même domaine ou pas. Ça serait bien déjà pour commencer. Et puis, si vous êtes capable de ça, ben, ils aimeraient voir si vous êtes capable d'y arriver 6 mois, puis 1 an. C'est un apprentissage hein, d'arriver à fermer sa bouche et de ne pas critiquer son prochain. Que ce soit des mecs ou des nanas dans les mêmes sociétés ou vos collègues en indépendant. C'est déplorable. Et eux, ils vous voient. Mais vous inquiétez pas, là-haut, ils voient tout. C'est déplorable. Et arrêtez de dire que les autres parlent de vous. Arrêtez de dire qu'ils vous jugent.
Arrêtez de dire que... non, non, c'est vous. C'est toujours les mêmes. D'ailleurs, c'est facilement reconnaissable. Il y en a marre de ces gens. Vous êtes des parasites de la société. Les autres, ils ne parlent jamais de vous. Ces mecs et ces nanas dans les sociétés. Et, bon ben, dans les travailleurs indépendants, c'est pareil, bordel, occupez-vous de vos vies. Et tout se passera bien. Sérieusement, mais c'est chaud, quoi, quand même. Et eux, eh ben, ils m'ont demandé de faire passer le message, si au-delà. Et si vous n'êtes pas content, ben, c'est pareil. Excusez-moi. Moi, je transmets. Moi, je juge pas. Non. Non. Moi, je ne juge aucun humain dans des sociétés. Que ça soit des mecs ou des nanas. Moi, Sylvia, je ne juge aucun homme, femme, en indépendant. Aucun. Que ça soit des mecs et des nanas qui travaillent dans le même domaine que moi ou pas. J'ai pas que ça à faire. Non, non, non. Moi, j'ai assez comme ça à m'occuper dans ma vie pour critiquer. Que ça soit des mecs dans le même domaine que moi ou des nanas dans le même... Pas le même domaine que moi ou pas. Vous croyez que j'ai que ça à foutre, moi, de mes journées? Non. Je n'ai rien à faire, moi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et moi, je ne juge pas les gens. Et puis, qui je suis pour juger? Moi, je transmets, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, n'inversez pas les polarités. Hein. C'est bon. N'essayez pas de me dire à moi, hein, de me rendre coupable et responsable, que soi-disant, je juge. Je juge personne, moi. J'ai pas que ça à faire, hein. Je suis bien désolé. C'est vous qui jugez les gens. Des mecs, des nanas dans des sociétés et indépendants aussi. Et même dans mon domaine. Donc ça va, et pas que dans mon domaine. Donc ça va 2 minutes de renverser les polarités et de foutre tout sur la gueule des autres. Hein. Assumez un peu la part de responsabilité qui vous incombe. C'est pas possible, quoi. C'est quoi ces gens? Vous êtes des malades, non? Et vous savez, hein, dans les sociétés, ça pourrait tellement bien se passer. Mais si, mais arrêtez de parler de tout le monde. Et en travailleur indépendant, qu'on soit dans le même domaine ou pas, ben, tout pourrait se passer si bien. Si vous ne cherchez pas des emmerdes à tout le monde. Mais si. Vous savez, on peut comprendre que ce qui vous fait le plus peur, ouais, c'est votre gagne-pain. Mais si, votre gagne-pain, votre salaire. Mais personne ne va vous piquer votre job. Hein. Oh là là. Et dans les indépendants, ah ben, personne ne veut vous voler votre gagne-pain. Hein. Mais bon, ce que vous n'avez pas compris, c'est que on est une chaîne entre nous. Mais si. On est une chaîne. Ah ben ça. Et que tout le monde, ben, tous les matins, se lève pour aller gagner sa croûte. Hein. Que ça soit dans des entreprises ou des indépendants et que vous n'êtes pas seul. Hein. Et que il y a des mecs et des nanas qui ont peur, surtout les nouveaux arrivants. Et si vous saviez comme ils vous critiquent. Mais si, avec les autres. Mais pas que ça. Même, oui, pas que ça. Même, si vous voulez, au niveau de ceux qui se connaissent, par exemple, depuis 5 ans, qui sont dans les mêmes sociétés, 10 ans, eh ben, ils ont peur que, au niveau des prochaines promotions, eh ben, ça ne soit pas eux qui l'aient. Et si vous voyez les merdes qu'ils font plus grosses qu'eux, mais si. Mais dans les travailleurs indépendants, putain, mais c'est la même chose. Mais si, mais c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de crever de faim que, eh ben, ils parlent mal des autres, eh ben si, qui sont dans le même domaine qu'eux. C'est grave, en fait. Mais si, parce que ces mecs et ces nanas, tout comme vous, eh ben, ils doivent manger, non? Et vous les critiquez. Si, alors avec qui vous les critiquez? Ben, avec des esprits faibles. Oui, qui, mais si, des esprits faibles qui
qui kiffait dans le passé ou qui kiffe encore des mecs et des nanas qui sont dans le même domaine qu'eux, mais pas que. Tout ce qui est, ah ben si, les clients, les patients, les consultants, pour que, eh ben, qu'ils aient toute la clientèle pour eux. Scandaleux. Scandaleux. Mais c'est scandaleux. Donc, si on regarde bien, tant que vous arrivez, vous, à payer vos loyers ou à vos crédits baraques ou à vos... Ben, le vital, l'EDF, la bouffe, etc., etc., vous vous en foutez de votre prochain, quoi, en fait. Mais attention, c'est très grave. Mais c'est autant dans des sociétés que des travailleurs indépendants. Et ces mecs et ces nanas ne pensent que à eux et à elles. Eh bien, ils s'en foutent. Eh bien, ils n'en ont rien à foutre si vous devenez SDF hein, dans les sociétés. Mais si, tant qu'eux évoluent. Mais les travailleurs indépendants, les mecs et les nanas qui sont dans la même branche que vous en indépendant, ils n'en ont rien à foutre si vous devenez des clochards. Rien à foutre. Tant qu'eux, ils gardent leur place au soleil. C'est grave, hein. Vous n'êtes pas très prêteurs, hein. Attention à vous. Puis arrêtez, hein, de vous cacher avec des faux profils. C'est un scandale. Mais c'est un grave problème de société. Quelle honte. C'est honteux. Bref, mais en amour, vous savez qu'ils font pareil. Tous les coups sont permis. Hein. Ah, ben ça. Ils font la même chose. Pareil. Ah, ben c'est la même procédure en amour, hein. Ils peuvent briser des relations de la même manière. Attention à vous. Là-haut, ah ben l'au-delà vous voit. Tout le mal que vous faites à des mecs dans des entreprises, à des nanas dans des entreprises, que ce soit les nouveaux arrivants ou ceux avec qui ça fait 5, je sais pas, allez, ouais, je sais pas, ouais, ceux, ah ben si, non, parce que les nouveaux arrivants, il est critique avec ceux que ça fait, moi, je sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ah, mais si. C'est pire que le téléphone arabe. Mais si. Et tout ça, parce qu'ils ont peur de ne pas évoluer, eux et elles. C'est scandaleux. Mais dans les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Vous êtes à vomir. À vomir. Et c'est pas moi qui le dis. Mais non, je ne me permettrai pas de vous juger quand même, messieurs les salariés, madame les salariés, quand même. Mais non, je ne suis pas comme ça. Et pour les travailleurs indépendants, mais non, je me permettrai pas de vous juger. Je n'en ai pas le droit. Mais là-haut, ils ont tout à fait le droit de vous dire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous transmets ce qu'ils me disent. Et que ce que vous faites, subir à des mecs autant dans des sociétés, que ça soit du public ou du privé, c'est un scandale. Et dans les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Et eux, là-haut, ils vous disent ce qu'ils veulent. Alors là, et si vous n'êtes pas content, je vous invite, je sais pas quand c'est que vous faites vos vœux, machin, à leur dire à eux, et vous verrez, débrouillez-vous avec l'univers. C'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Mais si. Et en amour, ils vous voient aussi. Comment vous arrivez à messier à faire des lavages de cerveau, soit à des mecs, soit à des nanas, pour être avec eux. Mais vous inquiétez pas. Vous aurez vos punitions aussi en amour. Si vous allez être puni, mais vous allez être aussi puni ceux qui font ça dans des sociétés, que ça soit du privé ou du public. Mais si vous serez puni, vous inquiétez pas. Mais vous allez être aussi puni pour les travailleurs indépendants quand vous faites ça à vos collègues
puisqu'ils soient dans le même domaine ou pas. Mais c'est pas moi qui le dis. Je transmets. Et c'est tout. Je me permettrai pas quand même de juger des mecs ou des nanas dans des sociétés. Mais non, c'est pas à moi. Mais non. Et eux, ils ont le droit. Et ils le font. À travers moi. Ah, mais si. Et pour les travailleurs indépendants. Mais si. Quand les mecs et les nanas sont dans le même domaine, ben, vous faites la même procédure. Bon. Ben, eux, ils vous jugent là-haut. Et vous allez être punis. C'est tout. Et vous faites pareil en amour. Donc, vous allez être punis en amour aussi. Mais si. En espérant que, bon, si vous avez fait qu'un domaine, bon, ben, vous serez punis que dans un domaine. Mais il y en a, comme ils ont fait les deux, ben vous serez punis pour les deux. Mais c'est pas moi qui le dis, je transmets. Ah, mais si. Est-ce que vous comprenez? Alors, le plus dramatique, c'est par ceux qui sont dans les sociétés. Mais non, parce qu'ils ont leur paye, de toute façon. Mais ils vous ont vu comment la façon que vous avez, que vous procédez, c'est-à-dire pour détourner la clientèle. C'est monstrueux. Ici, puisque vous critiquez vos collègues qui sont dans le même domaine que vous, forcément, leur chiffre d'affaires baisse et vous, ils gonflent. Mais de la façon dont vous y prenez, ben, l'au-delà va vous punir, croyez-moi. Ah, mais si, vous n'y échapperez pas. Et c'est pas moi qui vous le dis, je transmets. N'ayez pas peur. Tout va se passer en douceur. Mais si, ils me le disent. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, doucement. Comme vous l'avez fait et vous comme vous le faites. En disant du mal de vos collègues. Pour qu'ils ne n'aillent plus chez tel docteur. Que ça. Ah, vous allez rire parce que il y a autant. Ah, mais tous les domaines sont touchés. Que ça soit dans la vraie vie ou virtuelle. Ne vous inquiétez pas. Ah, mais si vous êtes à vomir. Oh. Oh, vous savez que tout le monde a le droit de manger. Est-ce que vous savez que tout le monde a le droit de boire? Est-ce que vous êtes au courant que tout le monde a le droit quand même au vital, un toit, à manger, se laver, boire. Pourtant, ah, vous avez fait des choses horribles. Mais si, pas bête de vous cacher dans des trous et puis avec des faux profils. Pour dire que moi, je vous juge. Moi, je juge personne. Moi, je transmets les messages qu'on me donne. C'est tout. Et vous êtes des hommes et des femmes qui avaient fait des choses immondes à d'autres, autant dans des sociétés, mais bon, ben ils sont toujours là, si. Mais le plus grave, c'est ceux ben, qui travaillent à leur compte. Et ah là là, et alors là, ben, je vous jure, vous avez petit à petit contacté ben, des gens. Alors, ça peut être des clients. Il y a les clients. Il y a les patients et les consultants. Et vous les avez tous contactés. Eh ben, ben oui. Ben quand vous aviez le temps. Si. Et vous leur avez dit du mal de vos collègues qui travaillent dans le même domaine que vous. Si. Pour qui, ben, qui ne les ou qui ne leur achètent plus rien. Que ça soit dans la vraie vie ou le virtuel, qui leur achète plus rien, que ça soit de la bouffe, que ça soit des fringues, que ça soit des chaussures, mais peu importe. Oui, c'est, et vous le savez très bien. Mais c'est, vous n'avez pas honte. Mais dans d'autres domaines aussi. Et tous les mecs et toutes les nanas qui ont fait ça, vous allez être punis par l'au-delà, tout ce temps que vous êtes. Ah, mais c'est sûr, vous êtes dégueulasse. Alors, je vous le dis, moi, là, on me dit que il y a des hommes et des femmes. Alors, parce que vous savez,
il y a la nourriture. Ouais. Ben, ils l'ont fait. Mais si, il y en a au niveau de l'alimentaire. Oui, ben, la bouffe, tout ça. Oui, la bouffe, ils l'ont fait. Ils l'ont fait aussi dans le vestimentaire. Oh, que si. Vestimentaire, peu importe les styles. Mais dans les chaussures, peu importe. Oh, que si. Mais, attendez, pas que... tout ce qui est ben, le monde de la beauté, peu importe ce que c'est, si ils l'ont fait, que ça soit, ah là là, si tout ce qui est aussi tous les domaines sont touchés, mais si il démarche, si que ça soit virtuellement ou en vrai. Oh, ben, si c'est dans tout, ben, même le nôtre, hein. Et c'est pas ça, c'est que ils disent du mal des autres, mais si dans leur dos pour s'attirer ben, clientèle, mais si la clientèle, même les banques le font, putain. Même les banques. Mais si, tous. Mais c'est un scandale. Et vous critiquez vos concurrents. Parce que là, c'est des concurrents. Eh ben, c'est plus... c'est, eh ben, vous les critiquez. Et vous démarchez. C'est en leur promettant que... Eh ben, ça va être beaucoup mieux. Si... Ben, bon, après, il y a des abonnements. Enfin, mais... Quel scandale. Du coup, bah, en leur disant que... Ah ben, bah, ça... Bah, venez chez nous. Oui, venez chez nous. Mais oui, mais... Quand ils vous disent venez chez nous, il faut arrêter de... Ah ben, bah, de prendre chez quelqu'un. Donc, ils perdent des clients. Ah bah si. Ah ben, bah, écoutez... Ils perdent des clients. Eh si. En leur disant que... Ben, c'est, tel, ben, c'est mieux chez eux. Que ça soit sur de l'alimentaire. Que ça soit de l'essence. Ah ben, vous savez où on en est. Que ça soit sur de l'immobilier. Mais si, que ça soit des banques. Que ça soit de la téléphonie. Que ça soit les abonnements internet, machin. Ah, oh, bah, s'ils le font dans ces domaines, et bah, ils le font dans les autres, hein. Mais c'est un scandale, hein. Et on ne démarche pas. Et pourtant, vous le faites tous les jours. Ah ouais, c'est scandale. Et vous démontez, bah, c'est votre concurrence, en fait. Mais si, vous les démontez. Mais si, vous les mettez en pièces détachées. Que ça soit des grandes sociétés, peu importe ce qu'ils vendent, vous le faites tous les jours. Non, c'est grave quand même. C'est très, très grave ce que vous faites. C'est... Venez chez nous. Venez chez nous. Vous n'avez pas besoin de changer de banque. Vous n'avez pas besoin de changer d'opérateur téléphonique. Ouais, pas dans ton conillé, vous avez pas une box, hein, vous voulez pas venir chez nous. Hein. C'est interdit de faire ça. Et pourtant, ben si, ils le font tous les jours. Mais ils le font dans d'autres domaines. Mais si. Tous les domaines sont touchés. Mais c'est interdit. Mais attendez. Mais en général, quand ils font ça, que ça soit des grandes sociétés dans la vie réelle ou... Parce que même, des, eh ben, ils démarchent autant dans la vraie vie. Parce qu'il y en a, il faut, eh ben si. Dans la vraie vie, que sur Internet. Et ils vous harcèlent, c'est waouh. Mais on fait ce qu'on veut. Et on va où on veut. Pourtant, tous les jours, vous démarchez des gens. Les grandes sociétés, mais si, ils le font. Les moyennes sociétés. Les petites sociétés. Et, bon, je laisse imaginer que même un gars, une femme... Mais combien en France, il y a de un mec
d'une nana qui font ça dans tous les domaines. Que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel. Et c'est interdit. Et en plus, vous cassez vos collègues de travail. Que vous les connaissiez ou que vous les connaissiez pas. Une honte. 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 Mais bon, encore, quand on les connaît pas, bah, ça passe. Mais dire que sur notre territoire français, eh bien, il y a des nanas comme des mecs. Ah, bien sûr, vous les connaissez pas dans la vraie vie. Mais ben, vous les connaissez des réseaux sociaux. Et vous faites ça. Ben, attention à vous. Hein. Qui vous a... Mais vous allez le payer. Mais vous allez le payer comment? Eh ben, de la même manière que ce que vous avez fait. Ah, mais si. Que ça soit dans la vraie vie, à des mecs ou des nanas que vous ne connaissez pas, que ceux que vous connaissez sur les réseaux. Mais si. Quel scandale. Mais là-haut, l'univers, ils vous voient, ils vous ont tous vus. Mais ils continuent. Alors, certains, eh ben, sur les mêmes, et puis pour d'autres. Mais vous allez voir, Dieu est grand. Hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Hein. Ah, et vous vous permettez de les appeler, si. Soit si vous avez les numéros de privé, ou alors... Eh ben, Facebook, Instagram, etc., etc. Eh ben, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Eh ben, vous allez le payer. Ah, mais si, on paye toujours. Quand on fait du mal aux autres, pour s'attirer de la clientèle, des patients, ou des consultants, mais on le paye, on a toujours le retour. Hein. C'est un scandale. Mais si, rappelez-vous bien. De ce que je vous ai dit. Mais, bon, s'ils sont capables de faire ça, ah ben, ils sont capables de faire d'autres choses en amour. Hein. Et il y en a, ils l'ont fait aussi. Eh ben, vous allez le payer. Vous verrez. Ah, mais on s'en sort pas. Et d'ailleurs, là, là-haut, l'univers pense que il est grand temps de remettre les pendules à l'heure. Et à zéro. Et que tous les mecs qui... On fait du démarchage en faisant de la diffamation. Oui, en disant, oui, de la diffamation. En critiquant que vous les connaissiez. Ou, eh bien, vous allez le payer. Mais si. Mais si. Sérieusement, c'est scandaleux. Et le pire, c'est en France. Ah, si, c'est en France. Le pire, c'est en France, vous plaisantez. N'allez plus chez lui, n'allez plus chez elle, venez chez moi, venez chez lui, allez chez lui, allez chez elle, et peu importe le domaine, hein. Et c'est autant, si vous voulez, dans la vraie vie que dans le monde virtuel. Ouais, ben c'est scandaleux, hein. Et c'est comme ça, vous, que vous évoluez autant dans des, oui, sociétés que en indépendant. Eh ben, bravo, hein. Bravo, hein. C'est un scandale. Du coup, bon, bah. En plus, au niveau des nouveaux arrivants, ouais, dans des sociétés, ah ben, ils aiment pas trop. Non, non. Et en général, ils parlent très mal de vous. Ils inventent, ils font qu'inventer, ils font que mentir sur les nouvelles recrues. C'est. En espérant que vous ne faites pas long feu et qu'on se débarrasse de vous. C'est mais, pour ceux oui, qui, avec qui vous parlez, que vous les critiquez, que n'importe quoi. Ben, vous savez qu'ils veulent se débarrasser de vous aussi. Mais si, parce qu'ils ont, ils veulent évoluer, eux et pas vous. Hein. Mais dans les travailleurs indépendants. Mais pareil. Mais si. Mais si. Parce qu'il y en a, c'est... du genre, bon, eh ben, il faut mettre sur la paille des mecs et des nanas indépendants. Peu importe les corps de métier. Hein. Et ils leur promettent que ils vont leur donner un coup de main pour évoluer dans leur business. Que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel. Sauf que ils en ont rien à foutre de vous. Hein. Et que ceux qui mettent la poudre au feu,
ils veulent évoluer, eux, hein, et pas vous. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Hein. Mais ils vont le payer. Ah, mais c'est... Parce qu'ils vous voient. Tous... mais si, ils nous voient tous, hommes et femmes. Hein. Ah, mais si. Qu'on soit des salariés ou des dirigeants. Hein. Ah, mais si. Ils nous voient tous. Hein. Ah, ben, ils voient tout. Et croyez-moi que tous les hommes et toutes les femmes dans des sociétés ou en indépendant qui ont fait ce genre de choses, vous allez le payer. Mais, ils ont fait des choses horribles en amour aussi, de la même façon. Et vous allez le payer. Messieurs. Par contre, pas la peine, non. Non, le jour où tout va se casser la gueule dans votre vie, peu importe que ça soit dans des sociétés, pour ceux qui ont fait du mal, ou les indépendants, quand tout va se casser dans la gueule dans votre vie, c'est pas la peine de revenir pleurer à ceux que vous leur avez bousillé leur vie. Non, mais je vous le dis, parce qu'eux, ils vont remonter. Ah, si, tôt ou tard. Démerdez-vous. Hein. Ah, bah, non, parce qu'on sait jamais. Ah, si, en général, si. Démerdez-vous. Hein. Je vous le dis. Et puis, ceux aussi qui ont manipulé des gars et des nénettes en amour, qui ont cru tout ce qu'ils disaient de mal sur vous. Mais si. Que vous étiez nul à chier dans votre job, ils vous cassent. Hein. Mais ils ont été vous critiquer au mec ou au nana que vous fréquentiez. Tous ces mecs et ces nanas ne vivaient pas ensemble. Et je serais même pas étonné que des mecs et des nanas. Soit que vous n'avez plus jamais eu de contact ou une fois quand il leur tombe un œil, soit avec une ou un qui vous a défoncé, soit au travail, dans des sociétés, si, ou en indépendant, mais si. Mais vous inquiétez pas, Dieu est grand. Si, non, parce que il y en a, c'est juste travail. Mais en plus, il y en a qui vous ont piqué votre mec ou votre nana, pour ceux qui ne vivaient pas ensemble. Mais si, alors ceux-là, ceux-là, ils vont tout perdre, tôt ou tard. C'est, ils vont être licenciés. Ah oui, licenciés. Ils vont perdre le mec ou la nana qui vous ont piqué. Et dans les travailleurs indépendants, parce qu'il y a ça aussi, c'est pareil. Mais si, vous savez, hein. L'heure de gloire, quand c'est sur du mal acquis, ça dure qu'un temps. Ouais. Et puis quand on casse ses collègues de travail dans des sociétés pour évoluer, ça dure qu'un temps aussi. Et puis quand on casse aussi ses collègues de travail en indépendant, ça dure qu'un temps aussi. Et au passage, quand il y en a en plus qui vous ont piqué votre mec ou votre nana, alors ceux-là, ils vont payer les deux. Scandale. Et en plus, ceux-là, bien souvent... Ils vont se permettre, avec bien sûr des faux profils, de vous dire que vous jugez les autres. Ah non, je ne juge pas. C'est l'au-delà qui m'envoie les messages. Donc je transmets. Moi, je ne me permettrai pas de juger des nanas ou des mecs dans des sociétés. Mais non. Et pas plus que des mecs ou des nanas qui travaillent en indépendant. Mais non, c'est pas moi. Quand même. J'ai du respect, quand même, un minimum. Pour ces voleurs de travail, qui enlèvent le pain de la bouche, sans froid aux yeux d'ailleurs, à des pauvres mecs dans des sociétés ou à des pauvres nanas, mais bien entendu à des travailleurs indépendants. Et puis on se doute bien que vous travaillez tous dans le même domaine. Hein. Que ça soit dans les sociétés. Parce que vous vous dites... Autant, c'est pas nous qu'on a les postes évolutifs. Alors, vous voulez qu'ils soient licenciés? Vous allez être punis. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, c'est on me transmet. Moi, quand même, moi, Sylvia, je suis peut-être ma petite auteur, je me permettrai pas de juger des travailleurs dans des mecs, des nanas, qui font ça dans des sociétés. Mais non, quand même. Oh, je vous respecte.
pour les personnes que vous êtes. C'est pas moi qui le dis. Ah, et puis, vous savez, quand on est travailleur indépendant, qu'on travaille dans le même domaine ou pas, quand même, ben oui, vous êtes des voleurs. Des voleurs de salaire. Hein? Qui voulait tout vous prendre, vous. Mais quand même, c'est pas moi, Sylvia, qui... Oh, quand même, je vous respecte, quand même. Je dirais pas de telles choses. On me transmet. Donc, je transmets à la France. Eh ben ouais, pour essayer, enfin, de leur faire ouvrir les yeux sur ce que l'univers pense de vous et ce qu'ils ne voient pas. Quelle honte, mais sérieux, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. Eux, ils me font transmettre, donc je transmets. Et en plus, il y en a même qui vous ont volé votre bec ou votre nana. Ah bon, après, on les a pas forcés, ils ont bien voulu, hein, parce que bon, hein, quand même, peu importe les gros mensonges qu'ils ont pu dire sur vous dans les sociétés qui ont fait fuir vos mecs ou vos nanas, ou même pour des travailleurs indépendants qui avaient un mec ou une nana et que personne ne vivait ensemble, bon, ben écoutez, c'est pas une grosse perte, parce que bon, si ils croient plus d'autres mecs et d'autres nanas dans des sociétés que vous, ah, vous avez rien à foutre avec des mecs ou des nanas, pareil en amour. Mais pour les travailleurs indépendants, si ils arrivent plus à croire d'autres mecs ou d'autres nanas qui disent n'importe quoi sur vous, ah ben vous avez rien à faire avec ce genre de mecs ou de nanas. C'est vite réglé. Donc allez, vous passez à autre chose. D'ailleurs, ben laissez-les tous ensemble parce que c'est des pourris. Ah mais, c'est pas moi qui le dis. Non, moi je me permettrai jamais de dire que vous avez volé des mecs ou des nanas à d'autres. Hein? Ou pas? Eh oui! Et également que vous leur avez pourri leur vie au travail, oui, dans des sociétés. Mais pour les indépendants, vous avez fait la même chose. Hein? Donc moi, c'est pas moi, Sylvia, qui vous juge. Non, c'est ce que là-haut, ils pensent de vous. Et que si on regarde bien, eh ben, il vous faut tout. Ben si! Il faut que vous, vous évoluez dans les sociétés, mais pas d'autres. Dans les indépendants, il faut que vous, ben oui, vous évoluez en tant que chef de ton capitaine de navire, mais pas d'autres mecs ou d'autres nanas. Donc eux, ils doivent devenir clochards. Et en plus, pour certaines et certains, ils vous ont volé vos mecs ou vos nanas, avec qui, bien sûr, vous ne viviez pas ensemble. Mais... moi, quand même, oh, je ne me permettrai pas de vous juger, que ça soit des nanas ou des mecs dans des sociétés, pour avoir, quand même, hein, décidé de faire des choses aussi ignobles à vos collègues de travail, dans des entreprises, et au passage, même, certaines fois, de leur avoir volé leur mec ou leur nana. Mais pour les indépendants, ben, c'est pareil. Moi, je ne vous juge pas. Mais si... pour avoir détourné des gens, travailleurs, oui, indépendants, pour vous rafler tout, eh ben, tout le pognon au maximum. Hein? Et en plus, hein, de, pour certaines ou certains, de leur avoir piqué leur mec ou leur nana. Non, moi je ne juge pas. Non, mais non, je transmets, c'est tout. Et c'est la pure vérité. D'ailleurs, je ne serais même pas étonné que si vous alliez dans certains endroits de France, eh ben vous allez trouver, par exemple, le mec ou la nana qui vous disait « je t'aime, mon amour, nanana », eh ben avec quelqu'un d'autre. Mais si. Et ce, autant des sociétés que pour des travailleurs indépendants. Oh, que si. Donc, il leur faut tout. Mais si, il leur faut vos mecs, vos nanas, ils veulent évoluer dans les sociétés, que vous deviez SDF. Mais, pour les indépendants, ils vous ont fait pareil. Scandaleux. Un scandale. C'est vraiment un problème de société, hein. Ce qui veut dire qu'ils veulent tout. C'est-à-dire, ils veulent évoluer, eux, dans les sociétés, et que les autres y crèvent. Dans les travailleurs indépendants, ils veulent évoluer, eux, et les autres y crèvent. Et puis, si au passage, on peut te piquer ton mec ou ta nana, pourquoi pas dans certaines régions de France? Mais bon, c'est pas grave, hein. Mais non, vous savez, il y en a, c'est comme le phénix, hein. Tu les crèves une fois, ils se relèvent.
Tu les piétines deux fois, ils se relèvent. Tu les piétines quatre fois, ils se relèvent. Vous croyez pas que c'est... C'est-à-dire que dans les sociétés, ceux, par exemple, qui avaient subi ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir beaucoup mieux que ces mecs et ce nana. Et d'ailleurs, laissez, si on vous a pris votre mec ou votre nana, laissez couler. Vous allez rencontrer des mecs ou des nanas beaucoup mieux qu'eux ou elles. Ne vous inquiétez pas. Et puis, pour les indépendants, si vos collègues, femmes, hommes, dans le même domaine, et puis d'autres, même pas, mais tellement qu'ils étaient aigris et jaloux, ils vous l'ont fait aussi, ne vous inquiétez pas. Mais non, continuez, travaillez, ne vous occupez pas de ces mecs et de ces nanas. Faites votre vie, continuez votre travail, que ça soit des travailleurs indépendants ou dans des sociétés, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et prouvez au monde entier que vous êtes tellement meilleur que... Non, parce qu'il faut dire la vérité, quand ils font ça, c'est que eh ben, ils ont peur que vous, eh ben, ça soit vous qui ayez les postes évolutifs. Et puis bon, quand on est indépendant, on se doute bien, hein, que vous étiez meilleur que... Ah ben vous savez, hein, c'est un scandale ce qui se passe en France en fait. Et que, ben, le problème, c'est que ben, les gens c'est des moutons. C'est les hommes et les femmes, ils ont parlé de vous dans le dos, c'est-à-dire, bon, ignore-la, ignore-les, ne leur parlez plus dans les sociétés, comme ça ils vont démissionner, ou ce genre de choses, mais si... Eh bien, accrochez-vous et ne partez pas. Mais non, ne leur faites pas ce plaisir. Et ne vous inquiétez pas que vous allez évoluer. Mais si, c'est... Des fois même, il y a des choses que vous ne savez pas qui ont pu. Des fois, ils entendent des bruits de couloir. Accrochez-vous. Vous allez avoir les postes évolutifs. Bande de... C'est des salauds. C'est mal ce que vous faites. Et vous êtes jugé par là-haut. C'est pas moi. Et ils ont fait pareil dans les indépendants, seuls. Que ça soit dans la vraie vie ou virtuellement. Mais si. Mais si, pareil. Bah écoutez, je vous le dis. Donc, ils ont parlé en mal à des mecs et des nanas qui devaient vous kiffer. Qui étaient dans le même domaine que vous. Mais aussi, bon, ben, on se doute bien. Clients, consultants, patients. C'est scandaleux. Donc, en fait, si on regarde bien, il n'y a que vous qui devez évoluer, les autres, ils crèvent, c'est ça. Mais c'est grave, en fait, c'est un réel problème de société. Eh ben, priez. Franchement, priez pour que là-haut, ils aient pitié de vous. Hein. Parce que franchement, tout le monde a le droit de travailler. Hein. Que ça soit dans des sociétés ou en indépendant. Hein. Et qu'il n'y a pas que vous, hein, en France, hein. C'est écœurant. Donc, ce qui signifie que vous voulez enlever le... Ben oui. Vous voulez qu'ils se retrouvent à la rue, ces mecs et ces nanas. SDF. Ben, faites attention à vous. Hein. Que ça vous... Ah, ben écoutez, mais ils le feront pas. Non, là-haut, ils le feront pas. Non. Ni à vous, ni aux autres que vous voulez... Ben si, soit qu'ils démissionnent. Ouais. Ils démissionnent. Ou en arrêt maladie. Ben ouais, dans les sociétés. Hein? Et qui s'en aille, comme ça, ils vous laissent la place. Oui, vous êtes sûr, comme ça, que dès que... Ça, c'est vous qui le croyez, que vous êtes à la hauteur des postes qui vont arriver plus tard. Ça, c'est vous qui le pensez. Mais est-ce que au niveau de, par exemple, de la hiérarchie, est-ce que vous pensez réellement que vous êtes à la hauteur d'avoir de tels postes? Ben, rien n'est sûr. Mais c'est scandaleux. Donc, vous voulez pousser soit à démissionner des mecs et des nanas dans des sociétés ou qui se mettent en maladie. Quel scandale. Franchement, ces hommes et ces femmes, vous êtes la honte de la France. Honteux. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, on me transmet. Et c'est la pure vérité. Mais pour les travailleurs indépendants, vous avez fait la même chose. Mais tous ces mecs et toutes ces nanas, tous les matins... Tout comme vous,
Il se lève, il travaille, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux en ligne. Peu importe les corps de métier. Ah ouais. Mais bon, vous n'êtes pas très partageur et que vous voulez ben, le monopole du domaine. Attention. Là-haut, ils vous voient. Hein. Et arrêtez de dire que on vous juge. Hein. Arrêtez de dire que on juge les Français et les Françaises ou les autres. Non, non, non. C'est la véracité et c'est vrai ce que je dis, puisqu'on me le dit. Désolé hein, de contrarier certaines nanas que ça, ou des mecs dans des sociétés ou des travailleurs indépendants. Hein. Quelle honte. Mais quelle honte. Moi, je ne juge pas. Je transmets. J'ai le droit encore de transmettre des messages, non, publics. Et si ça ne vous plaît pas, ben, je vous invite à aller écouter d'autres chaînes. Hein? Ben ouais. C'est un scandale. Un scandale. Quelle honte. Ouais, parce que ça ne vous arrange pas. On ne sait jamais, hein. Ouais. Si, dans les sociétés, ceux que vous critiquez, ouais, on ne parle plus à lui, à elle. Par exemple, ils venaient à écouter, ça ne vous plairait pas, par exemple, qu'ils retournent leur parler. Hein? Quelle honte. Pourquoi? Parce que vous avez peur pour vous. Hein? Que de vous faire licencier. Ou vraiment rétrograder. En bas de l'échelle. Hein? Ouais, vous avez peur. Hein? Et puis, au niveau des indépendants, c'est pareil. Vous n'avez pas très envie que des gens écoutent. Parce que bon, on ne sait jamais si ça les faisait réfléchir et qu'ils se disaient « Ouais, franchement, c'est vrai, hein ?» Et pourtant, c'est la pure vérité. Vous êtes des scandales, que ce soit des mecs ou des nanas dans des sociétés ou travailleurs indépendants, vous me donnez envie de vomir. Vous êtes la honte de... Eh ben de... Écoutez, vous êtes la honte de la France. Mais c'est honteux. C'est un scandale ce que vous faites aux gens. Attention à vous. Alors, vous savez, là-haut, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour ces mecs et ces nanas que vous avez fait prendre en grippe dans des sociétés, mais en indépendant aussi. Parce qu'il faut dire que vous êtes fort hein, et forte quand même. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Dans les entreprises, hein, hein, ouais, hein, ouais, ouais, mais bon. Hein? Pour les indépendants, c'est pareil. Hein? Quel scandale. C'est honteux, honteux, honteux ce que vous faites subir aux gens tous les jours. Non, mais vous savez que c'est du harcèlement. C'est du harcèlement à des salariés en France. C'est du harcèlement aussi à des mecs et des nanas qui travaillent seuls. Des indépendants, ou seuls, ou deux ou trois. Faites très attention à vous. Alors, je vous le dis, vous allez tous être punis. Alors, attention, c'est pas ces hommes et ces femmes, ils vont pas se venger. Mais non, non, non. Vous allez être punis parce que l'au-delà va vous punir. Ah, mais si. Parce que les mecs et les nanas à qui vous avez monté la tête, eh ben, vont se retourner contre vous, tôt ou tard, et autant dans des entreprises que des indépendants. Je préfère vous le dire, et vous allez le payer comme ça. Mais c'est un scandale. Elle est bonne, celle-là. Mais qu'elle est bonne. Vous savez, hein, la réussite mal acquise, ça ne dure pas. Hein. Que ça soit dans des sociétés ou travailleurs indépendants. Hein. Et je parle autant dans le vrai monde que le monde virtuel. Hein. Vous êtes... Ah ben si. Et arrêtez de dire que je juge. Je juge pas. On me transmet quand même. Moi, je juge personne. Mais non, j'ai pas le droit, moi, de vous juger. Ni les pourris dans les salles, dans les... Ni les mecs et les nanas pourris dans les sociétés, j'ai pas le droit. Mais non, ni dans les travailleurs indépendants, j'ai pas le droit de vous juger, moi. Par contre, là-haut, ils ont le droit de me faire passer des messages. Et eux,
il vous juge pour les personnes, les mauvaises âmes que vous êtes, des femmes, des mecs dans des sociétés, des femmes, des mecs dans les travailleurs indépendants. Et tout ce que vous faites subir à ces mecs et ces nanas, juste pour votre gagne-pain, c'est scandaleux. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis. Mais si. Alors, vous savez, comme ils nous aiment beaucoup là-haut, vous n'allez pas être au chômage. Non, les salariés qui ont fait ça. Non, à d'autres que vraiment pourris. Et pour les indépendants qui ont fait la même chose à des pauvres indépendants, vous n'allez pas tirer le rideau. Non. Mais, vous aurez le minimum vital. Eh ouais. Et ils vont remettre les compteurs à zéro, l'univers. En espérant que vous allez bien comprendre le français. Qu'on ne fait pas du mal à d'autres salariés dans des sociétés pour évoluer. Qu'on ne fait pas du mal à des travailleurs indépendants pour avoir le maximum de pognon. Ah, mais si. Et ils espèrent d'ailleurs que vous allez comprendre les leçons, que vous allez en tirer. Ils espèrent. Mais si, quand tout va arriver dans votre vie côté mauvais, comme vous l'avez fait aux autres, si vous ne comprenez pas et que vous essayez de leur faire encore du mal, ah, mais là, vous allez être licencié. Si, vous inquiétez pas, licencié, ou alors vous aurez pu, votre société, elle est finie. Écoutez-moi bien. Ah, mais si. Mais vous savez, vous inquiétez pas. Si, par exemple, vous dites perdu pour perdu, je vais essayer. Mais vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Surtout, ne vous amusez pas avec l'univers. Ah, non, parce que, vous savez, ces hommes et ces femmes, en réalité, n'ont pas la foi. Ces hommes et ces femmes ne croient pas en Dieu, en rien. Mais non, parce que sinon, ils ne feraient pas autant de mal à des mecs dans des sociétés et des nanas et à des indépendants qui leur ont rien fait. Mais non, juste, ils ont bien le droit de ils sont vivants, hein, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils respirent et tout comme vous tous les jours. ils gagnent à la sueur de leur front leur salaire, hein. Puis pour les indépendants, c'est pareil. Bon, mais, vous allez être, non, pas licencié, au bas du plancher. Mais, si vous avisez de bouger un doigt quand les autres vont avoir les postes qu'il faut à votre place, ou les travailleurs indépendants qui vont retrouver la place que vous leur avez volée, si vous avisez de faire quoi que ce soit de mal contre ces mecs ou ces nanas ou d'essayer de retourner le cerveau de qui que ce soit, cette fois, là-haut, ils disent, vous allez être licencié. Ah, mais si, licencié. Et les autres indépendants, eh bien, votre entreprise va fermer complètement. Mais si jamais vous essayez de détruire. Vous allez voir s'ils ne vont pas vous détruire à vous. Ah, mais attendez. Mais si. Ils trouveront toujours un moyen. Et après, ne dites pas. Oh, je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mais il y a des tas de solutions. Ah oui. D'abord, ils vont vous mettre au bas du plancher. Que ça soit des salariés ou des indépendants qui ont fait du mal à d'autres. Bon. le strict nécessaire. Si vous intentez quoi que ce soit contre ces mecs ou ces nanas, alors, il y a licencié et fermeture de votre entreprise. Mais comme ils ne comprennent pas le français, si jamais vous vous vengez autrement, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Ah, mais vous ne pourrez pas. L'univers. Ah, toujours. Je vous dis pas. Non, je préfère pas. Vous verrez. Et c'est, mais c'est la vérité. Mais c'est là-haut. C'est l'univers qui est aux commandes. Pour que vous ne vous en preniez plus
à ces pauvres salariés qui vont évoluer parce qu'ils le méritent plus que vous. Mais si, et à ces mecs indépendants, ben c'est pareil, ils le méritent. Mais si, et beaucoup plus que vous. Mais si vous intentez quoi que ce soit, l'univers va vous punir, et de plus en plus. Et vous verrez. Donc, amusez-vous avec l'univers. C'est pas moi qui le dis. Quand même, je me permettrai pas. C'est là-haut qui me transmet. Moi, vous savez, je n'ai jamais appris un oracle. Non, aucun. Okay. Oh, ben vous savez, j'en ai eu plusieurs. Hein. Plusieurs. Qui m'ont permis ben, d'évoluer. C'est tout. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Non. Non, j'en ai presque plus. J'en ai presque plus. Bon, mis à part ceux que je crée. Voilà. Donc, ils vous préviennent là-haut. Attention, les femmes, les mecs qui ont fait du mal dans des sociétés. Attention, les indépendants qui ont fait du mal à d'autres indépendants. Et là, il y en a, ils ont le projet de le faire. Arrêtez tout. Là-haut, l'univers me transmet qu'ils vont vous punir tous. C'est... Et que même ceux qui ont eu les postes évolutifs, vous n'allez pas les garder. Non, vous allez être rétrogradés au banc de l'échelle. Et que c'est les autres à qui vous avez fait des crasses qui vont avoir les postes évolutifs. Alors, voyez un peu. Et puis, au niveau des travailleurs indépendants, ils vont retrouver la place qu'ils méritent, peu importe les corps de métier. Et vous aurez le strict vital. Mais pour les durs à cuire, là, qui vont dire, moi, j'en ai rien à foutre, je vais... Ben, continuez. Votre entreprise va couler complètement. Mais, vous savez, il y en a, ils se valent, ils disent, ah, ils n'arrêtent pas. Ben, vous allez voir, et que, ah, ben non. Ils vont trouver les moyens là-haut pour vous empêcher de les toucher. Et écoutez, et c'est pas moi qui le dis, je passe les messages. C'est tout moi. Ah, vous savez, on ne peut pas gagner. Écoutez, on ne gagne pas contre l'univers. Il vous reprendra toujours de vol. Toujours. Alors, des fois, vous savez, ça peut mettre... Ça dépend à partir de quand t'as fait du mal. Ça dépend. Parce que des fois, ils se disent peut-être que ces mecs et nanas dans les sociétés vont se dire « Ah, c'est moche ce qu'on a fait à ces nanas ou ces mecs. » Mais non. Donc, ils les laissent. Et quand vraiment... comment vous dire? Quand ils se disent « Bon, ben, on peut plus les sauver. » Ces mecs et ces nanas qui ont fait du mal dans d'autres sociétés, là, ils s'en prennent à vous. Et ils vous font retomber... très, très bas, mais si. Mais pour les indépendants, oui, des nanas ou des mecs qui ont fait du mal à d'autres, qui leur avaient rien fait. Mais c'est pareil. Ils se disent peut-être que ils vont se rendre compte que c'est mal ce qu'ils ont fait. Mais quand vraiment, vraiment, ils voient que, ben, que vous n'avez aucun regret, aucun remords pour le mal que vous avez fait, soit à des salariés ou à des indépendants, ben là, ils vous punissent. Et en plus, quand tu vois qu'il y en a certains qui continuent, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, mais si. Parce qu'ils continuent, ils continuent. Ouais, alors là, ça va aller. Par qui on commence? Mais si, et ça fait mal. En général, si. Et plus vous en prenez à ces mecs dans des sociétés qui vous ont rien fait, plus ils vous le font payer là-haut. Et pour les travailleurs à... indépendant, c'est la même chose. Alors, continuez à vous en prendre à ces mecs dans ces sociétés et travailleurs indépendants. Et vous verrez où vous allez vous retrouver. Mais c'est pas moi qui le dis. Je vous fais passer les messages. D'ailleurs, moi, j'enlève jamais les vidéos. C'est ça qui est bien. Ouais. Vous verrez bien. Vous savez, on a tous le droit de travailler. Que ça soit dans des entreprises ou indépendants, ah ben ça, on a tous le droit d'avoir un salaire, que ça soit en tant que salarié ou indépendant, et vous faites des choses monstrueuses à des mecs et des nanas, donc vous croyez que l'univers va rester comme ça, vous regardez, ils vont pas vous punir, ah ben ça, c'est vous qui le croyez, et vous verrez, c'est scandaleux.
Mais bon, il y en a, c'est que de travail. Mais en plus, il y en a, ils vous ont piqué votre mec ou votre nana au passage. Mais c'est... Alors, eux... Ah, ben, eux... Ah, bah. Mais tôt ou tard, les mecs ou les nanas en question sont... Ah, ben, se disent... Ah, putain, je me suis fait arnaquer par ces nanas ou ces mecs avec qui je suis à l'heure actuelle. Ouais. Et bien sûr, après, c'est... Ils ne les veulent plus. Ils vont vouloir les quitter pour revenir avec vous. Mais c'est pas sûr que vous allez les vouloir. Ah, ben, ça... Parce que, à mon avis, pour certains, ils savent. Ah, si. Mais bon, ils vous... Ah, ben, ils ont pas bougé un doigt. Alors, eux. Ben, eux. Ces mecs ou ces nanas. Avec qui vous avez été. Ben, si on regarde bien. Que ça soit des mecs salariés. Ou dans des sociétés. Eh ben, ils sont aussi pourris. Que ceux, par exemple, qui vous ont fait du mal. Que ça soit dans des sociétés. Ou des mecs et des nanas qui travaillent seuls. Donc, si on regarde bien, ceux qui sont concernés et qu'en plus, on vous a piqué votre mec ou vos nanas, eh ben, ces mecs ou ces nanas sont aussi pourris que les nanas ou les mecs qui vous ont fait du mal. Donc, laissez-la ensemble. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous savez, peu importe ce que des pourritures peuvent dire à votre mec ou à vos mecs ou vos nanas, ben, normalement, on vous croit, non? Ben, ils vous ont pas cru. Donc, allez. Allez, allez. Restez tous ensemble. Mais ils vont le payer. Ah, mais si. Mais si, mais si. On... Écoutez, vous savez, l'univers est très carré. Et quand on s'en prend, par exemple, à des hommes et des femmes qui n'ont rien fait de mal dans des sociétés ou en indépendant, et que les autres avaient tellement peur, vous savez... Que ça soit les autres dans les sociétés ou un indépendant qui vaut mieux que eux, ah ben ils vous ont fait énormément de mal. Énormément de mal. Mais à mon avis, pas seul. Ah ben non. Mais non. Ils ont retourné des esprits de collègues machin au travail. C'est qui travaillaient avec vous. Mais au niveau des travailleurs indépendants, ah ben ils ont fait la même chose. C'est. Ils ont fait des lavages de cerveau à des mecs et des nanas qui étaient dans le même domaine que vous. C'est, parce que vous savez, des fois, on a toujours besoin, moi, je ne sais pas, hein. Peu importe le domaine, vous savez, c'est toujours, par exemple, comme on dit, les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés, hein. Bon, ben, ils ont fait pareil. Et pour d'autres aussi, ah ben, ben oui, et d'autres, ah ben, d'autres clients, d'autres patients, peu importe. Mais tout cela, vous allez, ah ben, ils vont le payer. Alors, ceux qui vont être le moins punis dans toute cette masse, c'est ceux ben, qui n'ont pas participé. Ceux qui n'ont rien dit. Qui n'ont rien dit. Qui vous ont pas critiqué, qui n'ont rien dit de mal de vous. Tous ceux qui, par exemple, ont dit quoi que ce soit de méchant, machin, bidule derrière vos dos. Vous allez être punis, vous aussi, les mecs et les nanas dans les sociétés ou indépendants. Que ça soit des mecs ou des nanas dans le même domaine, hop, si vous allez être punis. Et puis ceux qui ne sont pas dans le même domaine, mais qui vous ont acheté ou quelque chose, ou patients, ou consultants, ben eux aussi vont être punis. Ah, mais si, c'est comme ça. Alors, pas aussi sévèrement que les autres, mais ils seront punis quand même. C'est normal. Mais si, ils auraient fait de mal, ces gens. Que ça soit dans des salles, des sociétés ou en indépendant. Ah, vous savez, ils ont attendu un moment hein, pour voir si vous alliez avoir des regrets. Et faire... Okay, ah, ben... Et de vous-même dire des vérités. Ah, ben, à qui il fallait. Dans les sociétés. Mais vous ne l'avez pas fait. Ah ben là, ils vont vous punir. Et pour les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Ah, ils ont beaucoup de patience, mais au bout d'un moment... Mais si. Mais en plus, encore, si ils s'étaient arrêtés, pour certains, parce qu'il y en a, c'est... Oui, ils continuent. Mais pour d'autres, pour les... il y a les nouveaux, parce que tous les jours, il y a des nanas comme des mecs
qui se disent quoi? Oh là là, allez, il y en a de nouveau. Dans les sociétés, mais dans les travailleurs indépendants, c'est pareil. Et ils n'aiment pas trop les nouveaux. Ils veulent rester entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit dans des sociétés ou des indépendants. Mais si, ben, vous allez le payer. Tous autant que vous êtes. C'est scandaleux. Mais si, vous serez tous punis les uns après les autres. Hein. On ne s'en sort pas. On ne gagne pas à ce jeu-là. Non, non, non. C'est horrible, en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font les gens. Alors, il y en a, ils l'ont déjà fait. Si. Ils ont très, très peur de perdre leur poste dans des sociétés. Mais vous allez les perdre. Vous allez vous retrouver en bas des pâquerettes. Et pour les indépendants, c'est la même chose. Ah, c'est vrai. C'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Ouais. Et puis, c'est pas la peine. Ouais, parce qu'attendez, leur mec ou leur nana, c'est leurs yeux. Leur... Ouais. Ils sont même capables, pour certaines, de vous, ouais, de vous renvoyer leur mec ou leur nana si... Vous savez pas qu'ils sont ensemble, ces mecs et nana. Qui, vos mecs, oui, c'était vos mecs ou vos nanas dans une ancienne époque, tu vois. Mais maintenant, ces mecs et ces nanas sont avec des personnes qui vous ont fait beaucoup de mal, soit dans des entreprises ou en indépendant. Si. Alors attention, s'ils viennent vous parler, ne leur parlez de rien. De rien. C'est leur Judas. Mais ils vont tous payer. Les uns après les autres. Mais si... On ne gagne pas contre l'univers. Ça, faut bien le savoir. Quand on fait du mal aux gens, tôt ou tard, tu le payes. Bref. Souvenez-vous bien de ce qu'on m'a transmis. Moi, si on me transmet, c'est pas pour rien. Des jaloux, des jalouses aussi. Mais si, d'autres mecs et nanas, ouais, dans des sociétés, mais dans les travailleurs indépendants. Mais si... Ils les ont endocrinés, ils leur ont fait de lavage de cerveau sur des salariés, tout ça, mais c'est pour les indépendants aussi. C'est scandaleux. Et bon, ben vous verrez. C'est vraiment épouvantable d'être aussi pourri que ça. Pourri. Je cale à moi les pinières. Mais c'est... Bref. Puis, vous avez fait des insinuations très douteuses. Hein? Sur des personnes des mêmes familles. Mais il est pas... Mais il est pas... On s'en fout. Hein? On s'en fout. Hein, on en s'en fout. Vous aurez ce que vous méritez. C'est tout. Que ça soit dans des entreprises ou indépendants, vous êtes des pourris. C'est tout. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la pure vérité. Hein. Oh. Ok. C'est tout. Oh. Avec des faux profils, que ça soit des nénettes dans des entreprises, des mecs dans des entreprises. Mais également pour des pauvres indépendants. Nous, vous savez, toutes ces personnes qu'on essaye de guider des humains, ils nous envoient des messages pourris. Ouais, ouais. Pour essayer de nous impressionner, pour qu'on ne dise pas des vérités. On s'en fout. Moi, je continuerai à dire des vérités. Puis arrêtez. Par exemple, moi, il y en a, ils savent que ma fille, ouais. Mais vous inquiétez pas, ça ne marchera pas. Non. Ma fille et moi, on s'entend très, très bien. Ah, si vous saviez comment on s'entend bien. Ah là là, c'est merveilleux. Ah ouais, franchement, comme j'aime ma fille. Hein. Ouais. Et je pense que ma fille aussi m'aime énormément. Donc, c'est pas la peine, vous savez, de m'envoyer des messages avec sur mes comptes
que c'est peu importe où, Facebook, TikTok, où vous voulez, y compris YouTube, et de dire des méchantes choses, hein, pour nous monter l'une contre l'autre. Parce que ça va pas vous plaire, mais putain, on s'est jamais aussi bien entendu de notre vie. Ah, c'est merveilleux. Et moi, ma fille, écoutez bien, si elle a envie, elle fait ce qu'elle veut. Hein, ma fille, elle a 28 ans. Si elle a envie de rester une année chez moi, eh ben elle reste une année chez moi. Si elle a envie d'aller chez elle, ma fille, elle va chez elle. Est-ce que vous comprenez bien le français? Vous êtes des mauvaises personnes. Vous pouvez dire ce que vous voulez pour essayer, ouais, de nous monter l'une contre les autres. Ok? Hein? Avec de faux comptes. Mais bien entendu, je m'en fous. Allez-y, continuez. Continuez. C'est haïssable, de toute façon, ça a toujours été les mêmes depuis 2018. Mais si! On a toujours voulu se débarrasser de moi. Écoutez, à peine je suis arrivé sur Facebook, ça a commencé. Alors, vous savez, et ça s'est jamais arrêté. Jamais, jamais. Jamais. On voulait me faire partir de Facebook. On a voulu me faire partir de YouTube. J'ai toujours dérangé. Ah ouais, et puis bon, elles ont trouvé les bonnes occasions. Vous y êtes bien arrivés. Laissez-moi tranquille maintenant. Et j'espère que vous êtes riches. J'espère que celles qui m'ont fait depuis 2018 toutes les crasses possibles et inimaginables, que ça soit qu'à moi ou même à ma fille pour nous monter les unes l'une contre l'autre, ça n'a pas marché. Bon, et ça a été de pire en pire. Hein, jusqu'au bout, ça fout, jusqu'au premier confinement. Mais si, c'était un complot. Mais le lien que j'ai avec ma fille, ça, c'est indestructible. Non. L'amour que j'ai pour ma fille, vous n'arriverez pas à me le prendre. Non. Et l'amour qu'elle a pour moi, vous n'y arriverez pas. Je préfère vous le dire. Parce que l'amour d'une mère, ah non, c'est jusqu'à la mort. Moi, ma fille, je l'aime. Et je pense que ma fille m'aime énormément. Donc ça, vous ne nous l'enlèverez pas. Alors, si vous voulez, allez. Ben si, de toute façon, c'est depuis le début, vous m'emmerdez. Vas-y, et même, ce que vous m'avez fait au premier confinement, c'était prévu, tout était comploté. Donc, j'espère que vous êtes riches. Hein? Toutes celles qui m'ont fait ça, que vous vivez bien, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Mais si, bon, on m'a fait ça. Mais bref, mais ils le font dans des sociétés, je vous en ai parlé. C'est horrible, horrible, horrible ce qui se passe. Ces mecs et ces nanas dans les sociétés, qu'est-ce qu'ils ont le droit de manger, non? Mais ils vous gênent. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'ils évoluent, vous allez être puni. Mais pour les indépendants, avec tout le mal que vous faites à des mecs et des nanas, dans tous les corps de métier, vous allez être puni. Tous. Et tu savais, il y a des choses qu'on ne touche pas. Non. La famille, non. Et pourtant, vous l'avez fait. À moi déjà. Mais si. Attention. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.